Décidé lors des travaux de fixation des prix des hydrocarbures du quatrième trimestre 2021 à Pointe-Noire, cette réunion des prix du premier trimestre 2022 se tient dans un contexte où la dynamique des cours pétroliers actuels est marquée par des fortes tensions géopolitiques. L'appui de ce secteur d'activité par les pouvoirs publics est indispensable. Une reprise de la croissance a été observée sur le compartiment hors pétrole, sous l'effet de l'allègement des mesures imposées dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Les sociétés du secteur pétrolier souhaitent vivement bénéficier du soutien de la tutelle pour une application plus souple de cette réglementation. Les autres énergies renouvelables, combinant principalement l'énergie solaire, éolienne et géothermique, devraient voir leur part augmenter pour représenter, à l'orée de 2045, 10% des besoins. La demande mondiale en pétrole devrait atteindre 108,2 millions de barils par jour d'ici 2045, contre un minimum de 90,6 millions de barils par jour observé en 2020. Les pays hors OCDE voient leur demande en pétrole croître de 25,5 millions de barils par jour d'ici 2045 par rapport à 2020, alors que celle des pays de l'OCDE devrait se contracter de 7,9 millions de barils par jour. Ces travaux, dont le rôle est crucial pour les exercices budgétaires de la loi de finances en cours, se tiennent du 13 au 15 avril dans la capitale économique.